Que ta
volonté soit faite. Oh, que ton règne, que ton règne. Dans toutes les villes, dans tous les villages, nous te prions, Seigneur Dieu, fais de nous des instruments de ta main, pour que ton règne vienne. Sers-toi de nous, Jésus-Christ. Sers-toi de nous, Jésus-Christ. Utilise-nous, Seigneur Dieu. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Rebraya katarabra, que ton règne. Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, sers-toi de nous. Rebraya katarabra, rebraya katarabra. Invoquons le règne de Dieu dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tout lieu, en tout endroit, ton règne vient. Ah, que ta gloire vient, Jésus. Devant toi, Seigneur, manifeste que la terre entière te voit. Je ne vais pas gagner. Raïde, braïde, brenda, babaye, robraya. Sans aucun instrument, manifeste. Manifeste ta vie au travers de nous, que le monde te voit et te sert. Ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, sur toute la terre. Ton règne, ton règne, yeah. Je déclare.
Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Invoquons le règne de Dieu. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le but, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté partout. Invoquons encore le règne. Prie, élève la voix. L'Esprit du Seigneur va te conduire vers ta ville, vers ton village, vers un territoire. Appelons le règne. La Bible dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. C'est une prière constante, c'est une prière régulière, c'est une prière que l'Église doit faire régulièrement. Appeler le règne de Dieu sur la terre. Raides glorianda bradas glorianda bradas la rukata raba bradas glorianda bradas la rianda bra reda bradas glorianda babasha raides glorianda bradas glorianda bradas glorianda bra rubra la glorianda bradas sere mara la glu chebra ya kata raba bradas glorianda bradas glorianda bra virianda bradas glorianda mama shindire bu Ruda brada gloria anda brada kendere de bro Chere para la gloria anda brada la rianda nana se Choro para la gloria anda brada gloria anda ba Chere para la gloria anda brada se de vacate Ruda brada gloria anda brada gloria anda mama se Raides gloria anda brada Chere para la gloria brada lele mama 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 Sobraya catalere braida gloria da bro Chebara da be Chebara da be Braides gloria da brada gloria da brada gloria da bro Braides gloria da brada gloria da brada soro bara la ca Braides gloria da brada gloria da brada sara bara la ca Choro brada gloria anda brada sonta la brada sori anda bra. Raides gloria anda brada slari anda brada slari anda bra. Chere braya katara ba braides gloria anda brada slori anda bra. Unta la ba 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 che. Que ton règne vienne, Seigneur Dieu. Que ton règne vienne, Jésus. Que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne.
Jésus. Alléluia, nous t'acclamons, roi des rois. Merci Seigneur Dieu. Renda soro bara la kendere de Bruce, la rianda brada soro bara la ka. Rai de shire bara la soro bara la ka rianda bo. Au nom de Jésus, alléluia, brinda soro bara la ka rianda bo. Renda soro bara la kandara babrada soro rianda brada sere bara la ka. Ruda baba shara bara la rianda brada sendele de Bruce. Alléluia. On peut donner un bon amen à Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes dans notre dernier virage de nos 72 heures de prière que nous allons, par la grâce de Dieu, achever demain matin. Amen. Par une matinale, on va prophétiser sur le lever du jour. Alléluia. On va devancer l'aurore. On va se retrouver, donc prier depuis même 4 heures, 5 heures. Si tu peux venir à 4 heures, hein, moi-même, je serai là encore très tôt. Alléluia. Venez, tu viens, on va prophétiser, déclarer jusqu'au lever du jour. Amen. Amen. On va devancer l'aurore. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, cette soirée et ces dernières 24 heures de nos 72 heures sont dédiées à la dédicace de nos vies au service du Seigneur et à la confession, à la profession de notre foi, à confesser les choses qui sont là. Chacun a déposé dans ses urnes un certain nombre de sujets. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 20, Hébreux, chapitre 10, verset 23. Hébreux, chapitre 10, verset 23, on peut l'afficher. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dans la version Darby, il est plutôt dit, si vous avez la version Darby, vous pouvez l'afficher, il est dit, retenons la confession de notre espérance. Retenons la confession. C'est-à-dire la profession. Professer, c'est confesser. Professer, c'est confesser. Ce sont des mots synonymes. Amen. Alors, David va dire, retenons fermement la confession de notre espérance, sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alors, le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu t'a fait des promesses. Il dit, Dieu est fidèle pour honorer ses promesses. Mais tu dois garder fermement la confession de tes espérances. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Il faut que tu continues de le confesser. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu déclares, il faut que tu confesses. Quand, par exemple, tu pries, tu crois dans la grâce de Dieu pour devenir influent pour le royaume de Dieu dans un domaine en particulier, tu ne dois pas changer de confession. Tu dois toujours déclarer cela. Tu dois toujours déclarer en toi et au travers de ta bouche, je ferai ceci pour le Seigneur, je ferai ceci pour le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, parce que je crois que c'est lui qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul dit que la promesse, la réalisation de la promesse est liée à la fermeté avec laquelle nous gardons notre confession. Autrement dit, qu'on peut retarder l'accomplissement des choses que Dieu nous a dites si en cours de route notre langage change, nos déclarations changent, nous changeons de bouche, nous commençons à déclarer autre chose. Cela peut mettre en retard la réalisation des choses que Dieu nous a dites. Il dit, confessons fermement notre espérance. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu crois? Sur quoi tu crois? Tu crois en quoi? Amen. Dis avec moi, retenons. Ça c'est quoi? Ça, c'est quelle version? Retenons la confession de notre espérance sans. Voici ça, Darby. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler. Amen. Ça veut dire, quelle que soit la pression, tu déclares, je ferai, je serai. Dieu avec moi. Par sa grâce, j'aurai la victoire. Par sa grâce. C'est-à-dire, tu ne changes pas de déclaration. Tu ne bouges pas dans tes déclarations. Tu ne remets pas en cause ce que tu confesses. Alléluia. Alléluia. Alors, par exemple, il a dit ceci.
Il est dit dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10. Que le faible dise, je suis fort. Ça, c'est une confession. Il confesse quoi? Il confesse ses espoirs. Il dit, de vos hoyaux forgez des épées. L'épée, c'est l'épée de la parole. Et vos serpes, des lances. Que le faible dise. Donc, son état réel, c'est la faiblesse. Son espérance, c'est la force. Et la Bible dit, il doit dire, tu dois dire, tu dois dire, tu dois déclarer, je suis riche pour Dieu, je suis riche pour Dieu, je prospère pour Dieu, j'enrichis plusieurs pour Dieu, je crois cela, je déclare, et tous les jours tu confesses. Pourquoi quelqu'un peut changer de truc? Parce que la réalité souvent s'oppose à la confession. La réalité, si tout allait dans le sens rapidement de la confession, il n'aurait même pas dit retenez fermement. On doit retenir fermement parce que justement, les circonstances quelquefois nous amènent à revoir notre confession. Mais il dit, tu ne dois pas chanceler dans tes confessions. Alléluia. Amen, amen. On va déclarer dans le nom de Jésus nos confessions. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus notre confession. Amen. Alors, une des premières confessions de cette église, vase d'honneur, c'est notre vision. Par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur. Alors, quand on dit vase d'honneur ici, ce n'est pas forcément des membres de la communauté de l'Assemblée vase d'honneur. Quand on dit des vases d'honneur, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 nous dit, dans une grande maison, il y a des vases de qualité et des vases qui ne sont pas de qualité. Et il est dit qu'il y a les vases de qualité sont appelés des vases d'honneur. Alors la maison, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que parmi les chrétiens, il y a des chrétiens honorables qui ont une qualité. Et c'est pas dans leur vêtement, c'est pas dans leur apparence, mais c'est dans leur consécration, c'est dans leur intégrité, c'est dans leur cœur, c'est dans leur engagement. C'est dans un vase d'honneur, c'est quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose pour Dieu, il le fait pour Dieu et il le fait avec excellence. Un vase sert à son propriétaire, un vase peut te servir à boire, un vase peut te servir à mettre des récipients. Mais c'est comme dans votre maison, vous avez différents, en tout cas dans les grandes maisons, il y a différentes catégories d'assiettes. Assiettes servent à manger, les assiettes servent à manger. Mais il y a des assiettes qu'on ne sert qu'à des moments spéciaux. Et il y en a d'autres qu'on utilise pour les usages habituels. Amen. Et la Bible dit que si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se conserve pur, et si quelqu'un garde l'humilité, comme on l'a enseigné, si quelqu'un marche dans la sainteté qu'on a prêchée, c'est quoi les trois saintetés là? Kodesh, il ne faut pas oublier la première, tu ne peux pas oublier, c'est le nom de l'assemblée. Amen. C'est le nom d'ici. Première sainteté, c'est Kodesh, qui veut dire quoi? Mise à part. C'est-à-dire que si un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se sent mis à part. Mise à part. C'est comme dans tes assiettes ou dans tes verres ou bien dans ta garde-robe. Il y a une chemise, il y a une robe qui est mise à part pour des temps spéciaux. Est-ce que tu comprends? Un vase d'honneur, c'est quelqu'un comme ça de qualité. Tu vois, il y a beaucoup d'habits. Tous les habits qui sont dans ton placard sont généralement tes choix. Mais il y a un habit, s'il se déchire, tu ne vas même pas te souvenir qu'il s'est déchiré. Il y a un autre habit. S'il a pris une tâche, tu peux être en deuil pendant une semaine. Parce que tout l'effort que tu as mis pour concevoir cet habit-là, on ne peut pas, si tu l'as amené chez le blanchisseur et puis il a brûlé. C'est-à-dire que, voilà. Donc tu vois que habit, ce n'est pas habit. Amen. Il y a des habits d'honneur et il y a des habits vils. Il y a des assiettes d'honneur et il y a des assiettes vils. Et la Bible dit que dans la grande maison de Jésus, dans les chrétiens, il y a des chrétiens qu'on appelle des vases d'honneur. Notre vision. Si vous venez dans cette maison, notre vision, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans le monde entier et de faire en sorte que les chrétiens que nous allons, les hommes que nous allons amener au Seigneur deviennent cette qualité de chrétien. Les vases d'honneur, c'est une autre manière de parler des chrétiens entrés dans la dimension de l'épouse. Des gens qui sont entrés dans la dimension de l'épouse sont des vases d'honneur. C'est ça la vision. Donc, nous ne partons pas seulement dans les villages pour prêcher Jésus, nous prêchons Jésus. Nous faisons en sorte que les gens deviennent des disciples. C'est ça la vision. Et quand ils deviennent des disciples, maintenant, de disciples, on devient vase d'honneur. Amen. Donc, Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais qui a renoncé à lui-même. Si tu atteins même le niveau de disciple, même, c'est déjà très bon. Vive les disciples. Amen. Maintenant, après les disciples, il y a les vases d'honneur. C'est-à-dire la qualité supérieure des chrétiens. Je te vois en qualité supérieure des chrétiens. Je te vois en qualité supérieure. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas supérieur en argent, ce n'est pas supérieur en... Tu te vends, c'est pas ça. C'est la qualité de ta vie, c'est la qualité de ta consécration, c'est la façon dont tu sers Dieu qui fait cette qualité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est-à-dire, un disciple va renoncer à lui-même,
va renoncer à lui-même pour aller partout où Dieu l'envoie. Un disciple, c'est quelqu'un qui est mort en lui-même, qui est brisé, que Dieu peut envoyer partout. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait tout pour refléter le caractère du Christ. Ça, c'est un disciple. Alléluia. Maintenant, un vase d'honneur, la différence entre un vase d'honneur et puis un disciple. Donc, un vase d'honneur, c'est d'abord un disciple. Un vase d'honneur, c'est d'abord un disciple. Amen. Que tu deviennes un vase d'honneur. Faut pas devenir seulement membre de l'église vase d'honneur. Tous les membres de l'église vase d'honneur ne sont pas des vases d'honneur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu dis, je suis membre de l'église vase d'honneur, tu n'es pas forcément encore un vase d'honneur. Amen. Donc, notre vision, c'est de faire des vases d'honneur. Alors, la différence entre les deux, c'est que un disciple va renoncer à lui-même. Dieu dit, va évangéliser. Dieu dit, va évangéliser dans un village où il y a la misère, où il perd tout le confort. Un disciple va le faire. Il va aller, il va parler de Dieu. Voilà. Maintenant, un vase d'honneur va faire la même chose. Sauf que quand il va arriver, il va faire les choses avec excellence. Tu vois, il va arranger. Il va pas simplement aller dans les endroits compliqués. Il ne renonce pas seulement à lui-même. Mais quand tout ce qu'il fait pour Dieu, il le fait avec plaisir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, un disciple, si on lui dit, fais une chaise, il va fabriquer une chaise pour que tu puisses t'asseoir. Un vase d'honneur, il va faire la chaise là, mais il va la faire jolie. C'est-à-dire, il ne se contente pas. Un disciple va chanter de tout son cœur à Jésus. Un vase d'honneur va, non seulement il va chanter de tout son cœur, mais il va mettre quelque chose pour rendre ça excellent. C'est comme une touche, mais pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement bon pour toi. C'est-à-dire que la vision de vase, c'est-à-dire que Dieu est tellement bon pour toi que tu ne vas pas lui donner ce qui est passable. Tu vas lui donner le meilleur de toi. Voilà. Et nous tous, on sait faire ce qui est bien. Alléluia. Amen. Amen. Les gens font les choses excellentes pour le monde, pour leur propre gloire. Quand vous voyez les banques climatisées, tout est fait excellemment. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils aiment ton argent. Sinon, ils ne t'aiment pas. Le banquier, il ne t'aime pas. Il aime ton argent. C'est à cause de ton argent qu'il a rendu l'endroit comme ça. C'est à cause de ton argent qu'il a décoré. C'est à cause de ton argent quand tu rentres. Tout est beau. C'est à cause de ton argent. Et plus tu as l'argent, plus on te reçoit dans des bureaux très beaux. Donc, c'est une affaire d'argent. Sinon, le client qui n'a pas beaucoup d'argent, qui va à la caisse centrale, à la caisse générale, c'est un client, mais on le respecte, quoi. Mais il y a un autre. Voilà. Mais les gens le font. Les gens sont excellents pour leur propre gloire. Est-ce que quelqu'un peut être excellent juste pour Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Amen. Pourquoi le beau? Dieu a créé le beau. Le beau Dieu a créé. Je comprends souvent les chrétiens qui se plaignent quand on fait des choses bien. Quand on fait des choses bien, on dit, ah, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Pourquoi le beau là, c'est vous qui avez inventé. Le jardin d'Éden, vous pensez qu'il était vilain? C'était un endroit excellent. Écoutez, si on va au paradis et puis c'est pas joli, ça va vous faire mal. C'est-à-dire, on arrive au paradis, il y a la route, on dit on est au paradis, il y a la route, les arbres sont là, c'est même pas taillé, il y a des gazons en désordre, ce n'est pas taillé, les fleurs sont en désordre, on dit on est au paradis. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est sérieux? Vous allez dire, Dieu, c'est quel paradis? Même si on mange et puis on dort, on te dit quand même le paradis est beau, parce qu'en nous, il y a le sens du beau. Alors pourquoi quand les gens font des choses pour Dieu, ils doivent faire pas ça? Pourquoi on va faire pas ça? Si on sait faire ce qui est excellent, pourquoi ne pas le faire? Si on aime Dieu, alléluia, si je peux acheter une chaise comme ça, pourquoi j'aime mettre une chaise en plastique? Pourquoi? Si je peux le faire, je vais me concentrer même pour faire ça. Parce que je ne le fais pas pour toi, je le fais pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsqu'on va dans les villages évangéliser, même les paquets qu'on donne les choses au social, même les paquets qu'on donne, il faut que ce soit beau. C'est-à-dire, même dans les villages, les gens ont une telle mauvaise estime d'eux-mêmes. Mais leur donner des choses excellentes. Quand vous voyez les fauteuils roulants qu'on donne, qu'on offre aux gens. Neuf. On ne ramasse pas des trucs. Parce que c'est une créature de Dieu. Même s'il est dans l'endroit le plus pauvre du monde, pourquoi lui n'a pas droit, à cause de Dieu, à des choses bien faites? Amen. Donc, il faut que vous compreniez comment ma foi fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, je vais faire l'effort. Je ne vais pas faire l'effort de faire. Je vais faire l'effort de faire de manière excellente. Je ne cherche pas à faire. Je cherche à bien faire même pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les chants, regardez comment ils sont tenus tout le temps. Mais ça là, c'est un budget. Amen. Voilà. Alléluia. Mais les gens vont s'habiller comme ça pour un concert, pour plaire à la, pour un concert, pour se faire juste de l'argent.
Est-ce que quelqu'un peut le faire juste pour Dieu? C'est-à-dire que si on sait bien s'habiller, pourquoi ne pas offrir ça à Dieu? Si on sait faire quelque chose qui est excellent, pourquoi ne pas faire ça pour Dieu? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi faire passable? Pourquoi le faire? Je ne fais pas ça pour quelqu'un. On ne fait pas ça pour quelqu'un. On fait ça pour Dieu. On fait ça pour Dieu. Amen. C'est ça la particularité des vases d'honneur. C'est tu es un disciple, tu as renoncé à toi-même. Mais quand tu fais une chose, tu fais l'effort de donner le meilleur de toi. L'excellence, même ce qu'on fait, c'est excellent. Mais quand tu vas arriver au ciel, il y a un niveau d'excellence qui est beaucoup plus grand. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire des choses chères pour que ce soit cher. Non, il s'agit de donner le meilleur de toi. C'est ça qu'on appelle l'excellence. C'est-à-dire, ce que toi, tu as de meilleur, là, c'est ce que tu donnes. Maintenant, ce que tu as de meilleur, c'est sûr que par rapport à d'autres, frère, tu n'as pas le level. Voilà. Et leur meilleur, là, ce n'est pas pour toi. Tu comprends? Mais c'est ce que tu as de meilleur. C'est ce que tu as de meilleur qui est plat à Dieu. Alléluia. Voilà. Tu ne lui donnes pas ton passable, tu lui donnes ton meilleur. Le mieux que tu puisses faire. Donc, pour le moment, c'est le mieux qu'on puisse faire. Demain, Dieu va nous bénir encore. Amen. Et puis, on va augmenter l'excellence. Donc, il ne faut pas être choqué un jour quand tu vas arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, quand on dit par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur, c'est-à-dire nous voulons faire des disciples, mais des disciples qui rentrent dans la dimension de l'épouse. L'épouse est une femme qui fait les choses excellentes pour sa maison, pour son mari. Amen. C'est ça l'épouse, c'est ça la vision que nous avons. Alléluia. Et nous voulons la confesser. C'est notre espérance de voir les villages entendre la parole de Dieu. Je ne vais pas commencer d'abord par tes confessions, confesser tes propres sujets, mais confesser ce rêve, notre espérance. Chaque fois, tous les jours, quand on a des réunions pastorales, on rappelle la vision. Par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Par Christ, c'est ça notre vision. Vous avez ça? Voilà. Par Christ, nous faisons des nations, des vases d'honneur pour la manifestation de sa gloire. Amen. C'est de sa gloire, de son règne, j'ai oublié. De son règne. Moi-même, j'ai un peu oublié. Alléluia. Oh, je dois retenir fermement chaque phrase. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous faisons des nations. Des nations. C'est une nation, c'est chaque village, chaque ethnie, chaque endroit. Chaque homme sur la terre a besoin de l'amour, de comprendre l'amour de Dieu. Chaque femme, chaque, les riches, les pauvres, les politiciens, dans tous les domaines. Les nations dans la parole de Dieu, ce n'est pas simplement les pays géographiques que vous connaissez. Le mot nation dans la parole de Dieu, quand la Bible dit fait de toutes les nations des disciples, le mot qu'il a utilisé, ce n'est pas pays, c'est le mot ethnos. Il dit allez dans le monde entier, fait de toutes les ethnos des disciples. Maintenant, on a traduit dans la version fait de toutes les nations. Donc la plupart des chrétiens réfléchissent en termes de pays. Or, Dieu ne parlait pas, il ne parle pas forcément de pays, mais il parle de d'ethnos. Ethnos, ça veut dire ethnie. Ça veut dire ethnie, ethnie. Ça veut dire fait de toutes les ethnies. Les ethnies, une ethnie, c'est un groupe de personnes qui a un langage commun, qui ont un dialecte. Ça s'appelle une ethnie. Okay? Ils ont un dialecte commun. Donc, en fait, c'est le dialecte. Donc, on doit faire de tous les bétés, tous les baoulés, tous les... Donc, dans chaque... Tous les francophones, tous les anglophones, tous les... tous. Nous devons... Et c'est quand on va faire ça que Jésus va revenir. Amen. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je le dis parce que tu vas savoir que ta destinée est par rapport à ça. La dimension dans laquelle Dieu va t'envoyer, c'est lié au plan de Dieu. Y a pas, tu, même ton mariage, c'est lié à ça. Tes enfants, c'est lié à ce plan-là. Nous devons placer nos vies, nos entreprises, notre travail par rapport au plan global de Dieu qui est de sauver l'humanité par la prédication de l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? D'aller dans tous les recoins de la terre, dans toutes les villes, dans tous les villages, partout. Alors, une autre chose que veut dire ethnos, dis avec moi ethnos. Alors, les gens qui parlent le même langage, ethnos va plus loin que les ethnies que nous connaissons comme les baoulés, les wolofs ou toutes ces langues-là. Ethnos, c'est tout ce qui a un langage en commun. Et ce qui fait que les informaticiens sont un ethnos. Vous savez ça? Parce que quand les informaticiens parlent entre eux, personne ne les comprend pas bien.
C'est là des gigabits, mégabits, la bande passante. Donc quand tu fais, si deux informaticiens s'attrapent ici pour commencer à causer, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu règles ça? Tu as dit, vous parlez de quoi? Parce qu'ils utilisent un langage qui est dans leur domaine. Donc le mot ethnos fait référence aussi au domaine d'activité. Si vous rencontrez des menuisiers, ils ont un langage commun. Quand ils vont parler, hein, qui est du domaine du bâtiment? Sonne-nous un langage que personne ne peut comprendre. Tu es du bâtiment. Dis-nous des choses propres au bâtiment. Fais des fouilles, les terrassements. Va encore. Les piliers, va encore. Hein? De couler les bétons. Donne-nous un, maintenant dans les bétons, là, il y a différents bétons. Bon, peut-être que vous êtes dans votre ethnos, mais... Amen. Amen. Les couturiers. Quand vous êtes dans un domaine, vous voyez que vous avez un langage, non? Vous avez des mots, vous avez des choses, des phrases que vous utilisez que vous comprenez entre vous. Et quelqu'un qui est profane, lorsqu'il arrive, il vous écoute, il dit, attends, explique-moi. Explique-moi. Les bijoutiers ont un langage. Quand il dit 4 carats, tu dis, c'est quoi? Tu dis, c'est kilo, que je connais kilo. Parce qu'en fait, ils ont un langage qui leur est propre. Chaque domaine d'activité, quand Dieu dit, fait de toutes les nations, il fait référence aussi au domaine d'activité. L'évangélisation ne se fait pas seulement vers les ethnies, mais ça se fait aussi, c'est-à-dire qu'un informaticien est un oint de Dieu. S'il comprend que Dieu l'a rendu informaticien pour gagner des informaticiens. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si je suis ethnos, j'appartiens à l'ethnos des informaticiens, je parle le langage. Parce qu'il faut savoir que généralement les gens se convertissent, j'explique ça dans le livre, ce que je dis là, c'est le livre Les 12 poids d'influence. Amen. Les gens se convertissent, comme je dis, j'appelle ça, au carrefour de leurs besoins. Quand Jésus vient gagner les âmes, Jésus rentre dans leur domaine. S'il était venu prêcher à Pierre, et puis lui parlait dans la forêt, il y a des animaux. Non, il est venu, Pierre avait flashé, toute la nuit, il n'a pas pris le pied. Jésus a parlé le langage de la pêche, jette ton filet. Il a fait un miracle. Un miracle. C'est-à-dire que le miracle qu'il a fait, pourquoi Pierre et les autres disciples sont prosternés? Parce qu'ils savaient qu'eux sont des experts. Ils ont pêché, ils ont fait la pêche toute la nuit. Et quand ils disent qu'il n'y a pas de poisson, c'est-à-dire, le gars, il est dedans depuis qu'il est enfant. Donc, vous savez, quand ils ont fait la pêche miraculeuse, eux sont prosternés. Nous, quand on lit ça, on n'est pas émerveillés comme eux parce qu'on n'est pas du domaine. Comme on n'est pas du domaine, on dit, ah, Jésus a multiplié. Mais eux, là, ils savent ce qui s'est passé. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit, Pierre dit, je suis impuissé. Et puis il s'est prosterné. Parce qu'il a compris ce qui s'était passé. Mais nous, on voit qu'il a fait la pêche miraculeuse. Mais quelqu'un qui est dans le domaine comprend ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que Dieu va vous donner ce soir, vous avez une onction. Il faut que vous compreniez que ne cherchez plus juste un travail pour dire, je vais travailler. Tu sais, on dit, tu veux quoi? Non, moi, le travail que Dieu va me donner, c'est ce que je vais faire. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y a un travail que Dieu a prévu pour toi parce que les gens qui sont dans ce travail, il veut que tu les amènes à lui. Donc, dans ton domaine, c'est-à-dire que si tu es une couturière, il y a tellement d'onction dans ta couture. Quand tu conçois les habits, quand tu parles, parce que, regarde, sans les ethnos, si on ne comprend pas ce que Jésus a dit, un pasteur prêche à un groupe de personnes données. Il y a des domaines dans lesquels l'évangile ne pourra jamais entrer par des gens comme nous. L'évangile ne va pas entrer par moi. Mais l'évangile va entrer par une couturière. On a des soeurs, des personnes de l'église, je vous renvoie leur témoignage. La dame, c'est la restauration. Dieu lui a révélé un poulet, une cuisson, une recette. Sa recette là, frère. Les gens ont commencé à parler de ça dans la ville d'Abidjan. Un poulet cuit d'une manière et Dieu va élever son poulet. C'est-à-dire, à cause du poulet là. Donc, cette femme-là, vous comprenez, elle n'était plus en fait de faire du restaurant juste pour manger, pour nourrir ça, pour payer son loyer. Non. Elle a commencé à comprendre que même la restauration est un moyen que Dieu veut se servir pour toucher des hommes. Et tellement elle préparait bien, un jour, il y a des gens d'Arabie Saoudite qui sont venus en Côte d'Ivoire pour une réunion. Et comme quand vous arrivez dans un pays, les gens veulent vous présenter les meilleurs mets de leur pays. Ils ont dit non, il y a un restaurant là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Il y a un poulet.
Donc ils sont arrivés. Quand ils ont mangé le poulet, ils ont failli devenir fous. Ils ont dit quoi? Oh, c'était des agents d'un roi ou d'un prince saoudien très puissant. Donc un jour, un anniversaire, il dit que ses amis ont goûté un poulet. Quand ils sont partis à une réunion en Côte d'Ivoire, eux, ils veulent le poulet là. Frère, ils ont envoyé un avion. Ils ont dit, madame, il dit, madame, amen. Toi, tes cuisiniers, ton poulet, ça dit, il ne faut même pas venir acheter notre poulet là-bas parce que ça peut changer le goût. Prends poulet de la Côte d'Ivoire, prends. Donc, elle s'est retrouvée, vous vous retrouvez en avion privé avec tous ses cuisiniers, toute son équipe pour aller faire le poulet à leur fête. Amen. Alors, ces gens-là, ils sont islamiques. Quel jour ils vont écouter l'évangile? Mais, par son poulet, elle a eu accès à des gens qui sont fermés à la parole. Quand ils vont faire, elle va faire la cuisine, elle prie. Et Dieu peut passer par ça pour toucher des gens qui ne vont pas entendre l'évangile par un pasteur. Comment un pasteur peut aller prêcher au roi d'Arabie? Dans quel circuit? Par contre, si tu as une onction dans ta couture et que tu conçois quelque chose que les gens n'ont jamais, c'est-à-dire que le ciel te révèle. Est-ce que vous savez que il y a tous les métiers au ciel? Il y a tous les métiers au ciel. Il y a la couture. C'est Dieu qui a cousu le premier habit d'Adam. Chaque fois, je dis que ne pensez pas, sortez de l'image de Tarzan, Adam et Ève. Amen. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas. Quand on dit, il y en a qui imaginent que quand Dieu a fait, Dieu, on dit Dieu a fait des peaux pour les habiller. Il y en a qui imaginent un caleçon. Et puis, non, non, non. Les fleurs que vous voyez là, maintenant, non, les fleurs sont jolies. C'est vous qui avez fabriqué ça. La composition, l'harmonie de Dieu. Non. L'habit que Dieu a conçu pour Adam, il ne faut pas jouer à ça. La manière dont les anges sont habillés, ça n'a rien à voir avec vos visions d'ange. Là. Vous voyez déjà un boubou qui ne change pas, un boubou. Quel boubou? Ils ne sont pas un boubou, hein? Ils ne sont pas un boubou. Amen. Si tu vois leur habit, tu vas te dire, ah! Ah, donc dans notre réponse, c'était un boubou blanc, ça veut dire que toujours ils sont là. Donc vous savez évoluer, vous savez les belles choses, eux ils sont en boubou seulement. L'intelligence de la beauté, là, qui a mis en vous? Donc, vous pensez que le ciel, c'est un endroit qui est monotone. Tout le monde est en boubou blanc. On marche comme ça. On est là en boubou blanc. Oh, non, non, non. C'est coloré, c'est beau, c'est excellent. Le jardin d'Éden, c'était quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu vous présente simplement, c'est-à-dire que tu adores dans ta couture là. Et puis, un jour, Dieu vient. Il dit, ma fille, viens. Je vais te montrer deux modèles célestes. Deux modèles. Il t'amène là-bas. Deux modèles. Deux petits modèles. Deux modèles. C'est-à-dire que tu as vu les modèles et puis tu descends avec ça sur la terre. Tu dis, pendant que j'adorais, j'ai vu. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de concevoir, de dessiner ce que j'ai vu. Vous savez, la plupart des chants mondains vous émerveillent. Parce que beaucoup sont partis écouter au deuxième ciel la manière dont Satan chante et joue des instruments. Donc quand ils amènent les sons, quand vous écoutez, vous dites, mais c'est qui a... D'où sort ce son? Voilà. Mais Satan lui-même, qui était le chef de la musique, qui lui a appris à faire la musique? C'est Dieu. Donc, il y a un niveau d'adoration. Si vous voulez servir Dieu avec vos instruments, il y a un moment, vous adorez, vous adorez, vous adorez, vous rentrez quelque part. Et puis, il dit, viens, je vais t'expliquer. Il dit, je vais te montrer une mélodie. Il dit, ça, ça, ça. Au moment où les anges rentrent, voilà ce qu'on chante. Au moment où on fait ça, voici la mélodie. Voilà, 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 voilà. Il y a différents sons de mélodie. Et puis, il te révèle. Juste une petite partie. Quand tu vas arriver sur la terre avec ça. Amen. Le truc, c'est que la plupart des gens, des chrétiens, se contentent d'être des chrétiens. Ils ne vont pas chercher à être des vases d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à aller chercher Dieu. Aller chercher Dieu. Les choses du ciel sont tellement des valeurs. La Bible dit, tu ne vas pas donner les perles aux pourceaux. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont tellement valeureuses, tellement... Même le diable, pour que les gens aient son, sa musique, regarde les pratiques qu'ils font. Ce ne sont pas les... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui chantent un coup par hasard et puis ça fait le buzz. Mais ceux qui peuvent se maintenir dans une carrière diabolique et puis qui règnent sur la terre pendant longtemps, c'est beaucoup de sacrifices humains. De vendre leur corps, vendre leur âge, vendre... C'est-à-dire qu'ils doivent sacrifier
pour que Satan leur donne du pouvoir. Mais nous, les choses qui sont plus belles, même rester dans la présence de Dieu, une heure, deux heures, pour l'écouter, pour l'admirer, pour le voir, c'est trop difficile. Il y a des gens pour avoir, vous voyez, les gens pour avoir la puissance pour régner dans ce monde. Il y en a qui vont s'enfermer un mois, ils se déshabillent. Il y en a même qui marchent dans la rue nu, tout ça. Et puis ils sacrifient des enfants. On lui dit, tu veux devenir quoi? On dit, le prix de la présidence, le prix là, c'est toi de tes enfants qui seront fous. Il dit, je les donne. Et quand vous voyez qu'il commence à chanter, il a une onction diabolique. Mais vous-même, vous êtes émerveillé. Vous dites, ah, le gars là-même. Son premier CD, on dit que non, c'était un accident. Deuxième. Troisième. Il sort les tubes. Vous dites, non, mais c'est quoi ça? Mais ces couturiers là, comment ils font pour trouver leur modèle? Mais qu'est-ce qu'il faut? Tu penses qu'ils sont simples? Les choses du ciel, les choses de l'invisible, il y a des prix à payer. Ce qui est gratuit là, c'est le salut. Voilà. Mais la révélation là, qui a dit que vous allez avoir la révélation par... Non. Pourquoi? En fait, c'est pas que tout ce que vous allez recevoir de Dieu, c'est de la grâce. Dieu va vous le faire par grâce. Mais seulement là, il veut que vous vous sachiez valoriser. Parce que ce qu'on obtient facilement, on le banalise. Si Dieu vient puis il te révèle des modèles, oh, tu as dit ça là, j'ai besoin de ça tous les jours au marché. Tu comprends? Tu ne vas pas savoir valoriser ce qu'il y a au ciel. C'est juste. Personne ne peut mériter par sa vie de prière ce que Dieu donne au ciel. Seulement, il a juste besoin de savoir quel est le respect, la considération que tu es prêt à mener. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on veut voir le règne de Dieu? Alors quand je prie, quand je dis ton règne, ça veut dire quoi? Que chacun d'entre vous rentre dans son propre règne. La Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Sacrificateur, c'est notre relation avec Dieu. Mais roi, là, c'est dans un domaine où on règne. Dans la culture, dans l'agriculture, dans l'ophtalmologie, dans la médecine, il y a certains qui sont là, qui ont une onction. Si tu te consacres un peu plus, tu vas commencer à avoir des révélations sur des remèdes. Parce que Dieu t'a oué pour trouver des solutions médicales. C'est ton appel. Tant que tu ne vas pas être en train de réaliser ce genre de choses-là, sur la tête, tu ne seras pas épanoui. Et puis, Dieu ne va pas faire en sorte que tu sois trop riche. Parce que s'il te reste riche, tu vas croire que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Les chrétiens disent, on règne. Mais on règne comment? Nous serons à la tête. À la tête de quoi? Mais c'est à la tête d'un domaine. Tu dis, je suis à la tête. Je suis à la tête. À la tête de quoi? On dit de quoi? À la tête seulement. De quoi? Hein, mon frère, partout il y a la tête, je suis là-bas. Mais que, des têtes de quoi? Nous sommes à la tête. Jamais à la queue, on dit la tête, tu as la tête de quoi? Faut dire de quoi tu as la tête. Tous les jours tu as la tête. Tête de quoi? Faut être à la tête de quelque chose. Faut être à la tête de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu n'es pas trop distrait par la terre là? Ne pas trop distrait. Ta vie est emportée, tu es dans tous les trucs. Tu ne te concentres pas. Tu n'es pas consacré. Quand j'ai regardé un peu une partie du film de quelqu'un comme Michael Jackson, mais tu vois comment il se consacre à son affaire. C'est pourquoi il atteint un tel sommet. Ce n'est pas une onction qu'il a trouvé tirée chez Dieu. Mais il a compris que tu ne peux pas dominer si tu ne te donnes pas à fond. À fond. Donc dans ce qu'il faisait là, il se donnait à fond. Il avait des heures entières d'entraînement de danse. Il dansait, il donnait le mieux. Il travaillait sa voix. Il avait des coachs vocaux. Les gens viennent, lui-même il chante déjà bien. Il a une belle voix même plus que la plupart. Mais les gens le travaillent, il travaille. Il travaille. Ne soyons pas paresseux. Si Dieu nous a donné quelque chose, donnons-nous à fond. Il faut que tu réussisses. Il faut que partout là, l'évangile atteigne toutes les nations. Amen. Tu veux que nous nous dédions à Dieu. Et que tu... La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est-à-dire que tu dises, Dieu, amène-moi là-bas. Amène-moi. Je ne veux pas être quelqu'un de superficiel. Ce que tu veux que je fasse là, je veux le faire. Je veux le faire bien. Si tu m'as appelé dans le bâtiment, donne-moi d'avoir des plans. Parce que quand Dieu te donne des plans, il faut savoir que quand tu arrives au ciel, il te donne et la vision et les ressources. Il ne va pas te donner seulement des plans, puis tu dessines et puis il n'y a pas les ressources. Non, mais tu n'as pas encore bien écouté. Si tu rentres encore dans sa présence, il va te dire, voici comment je finance les maisons que tu vas construire. Amen.
tu vas sortir de ces plans. Pendant que je parle, je suis en train de prophétiser, hein, sur ceux qui sont dans l'immobilier. Si tu es sage, tu vas venir faire une séance pour dire oui, je reçois des plans et des ressources. Et voilà. Il faut que tu rentres dans ce domaine. Il faut que tu sois efficace. Et quel que soit le domaine, il faut que vous aidiez les plus faibles. Si Dieu te donne la grâce de construire des maisons au luxe, il faut te dire toujours que l'évangile doit être aussi prêché aux pauvres. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît Jésus. Alléluia. Le jour où vous allez avoir des grandes maisons, vous allez faire des opérations immobilières, construisez aussi pour ceux qui n'ont pas de maison. Ne construisez pas seulement pour les riches pour vous faire des bénéfices. Amen. Chaque, je prophétise sur quelqu'un qui est dans l'immobilier. Dis-toi chaque fois que, Seigneur, chaque fois que je construirai une maison d'une valeur que je pourrais vendre à 500, 700 millions, à côté, j'enlève une partie et je vais dans un quartier des plus pauvres. Je fais un toit pour que des gens dorment, pour qu'ils aient un toit. Seigneur, chaque richesse que tu me donneras, je donnerai un toit à quelqu'un qui n'en est pas. C'est ça qui fait notre particularité. Nous sommes du royaume. Ne cherchez pas à avoir l'argent pour avoir l'argent. Cherchez à ce que Dieu vous élève pour aider les gens, pour aider les plus pauvres, pour leur manifester l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle des chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois, dis-toi ça. Dis-toi, Seigneur Jésus, je veux réussir dans la couture. Je veux réussir dans la couture. Mais tu dis, mon Dieu, chaque nouveau modèle que tu m'offriras, chaque nouveau modèle, je prendrai une tonne d'habits et je vais aller habiller ceux qui n'en ont pas. Je prendrai, chaque fois que je vais faire un truc, quand mes ventes là, je n'ai pas pu vendre, tout ce que je n'ai pas pu vendre, Seigneur, je consacre ça à ceux qui n'ont pas d'habits. Dieu gardera toujours des pauvres à côté de vous, toujours des gens qui n'en ont pas, pour voir jusqu'à où ira votre amour. Amen. Ne cherchez pas à gagner tout. Cherchez à partager. Cherchez à donner. Quel que soit votre domaine, je viens prophétiser que Dieu va l'accomplir. Dieu va le réaliser. On va se tenir debout et on va prier pour entrer dans cette dimension. Je te vois élevé. Je prie, je prophétise. La Bible dit, restons fermes dans notre foi, notre confession. Nous sommes des vases d'honneur. Nous devenons des chrétiens de qualité, de temps de la fin. Nous sommes ce type d'enfants de Dieu qui prie dans des domaines et qui aide les autres, qui prêche l'évangile par leurs domaines. Déclare le prix, Seigneur. Dis, Seigneur, telle est ma destinée. Quand ton serviteur parle, je sentais que ça me concerne. Papa, ça me concerne. Je veux rentrer dans mon appel. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux réaliser ce pourquoi je suis né. Je veux accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi avant que je ne naisse. Rekatari babrada soro barala koro barala sendele baba. Shakatari andabrada soro barala katara babra. Sharabrada soro barala gloria andabrada soro barala be. Sharakatari andabrada soro barala ka. Reba baba 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 shere barala soro barala ka. Rakatari andabrada soro barala be. Sharabrada soro barala gloria andabrada sere barala bo. Rokada baba 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 shere barala soro barala ka. Raide sere barala gloria andabrada soro barala ka. Rakatari andabrada soro barala ko. Shekatara babrada soro barala ka. Rebrada katara babrada soro barala ke. Shabraya kata. Rentre dans ta destinée. Tu accomplis ce pourquoi tu es né. Tu réalises ce pourquoi tu es né. Le domaine dans lequel Dieu va se manifester à travers toi, il est libéré maintenant dans le nom de Jésus. Je prophétise l'accomplissement. Je prophétise la réalisation. Que ta famille, tes finances, ton travail, ta vie spirituelle, ta santé servent à la gloire de Dieu. Nous les dédions à Jésus afin que son règne vienne, afin que la volonté du Seigneur soit faite. Dieu bénit ta maison pour que ta maison soit un modèle du salut, pour la guérison, pour la délivrance, dans le nom de Jésus. Rianda brada soro barala katara babrada sara barala bra rakata la babrada soro barala klaria da brada so shabra katara babrada soro barala kara barala se shara brada klaria da brada soro barala ka ma vie est pour toi Seigneur, toi je me donne tout entier re brada soro barala gloria da brada sere barala be raba brada soro barala kendele babra sara barala soro barala gloria da brada soro barala ka Rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la ke. Rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la brevere de tu. Raide sere bara la gloria, rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la gla. Rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la be. Ro ba 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 ba. Corre, corre. Dieu, mon Dieu. Rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la ke. Rabrada soro bara la claria, rabrada soro bara la ke.
C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 1 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donne-moi Romains chapitre 12, verset 1. Amen. C'est pourquoi il dit dans ce passage de nous offrir, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, amen, un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je veux que tu prospères. Alléluia. Mais la prospérité de Dieu, elle vient pour aider. Tu es né pour aider quelqu'un. Tu es né pour aider une personne. Tu es né pour pratiquer de bonnes œuvres. Lève les mains. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je me dédie à toi. Pour les bonnes œuvres que tu as prévu que je fasse. Père, je veux les réaliser. Accomplis, papa, dans le cours de l'année, dans la suite de cette année, accomplis en moi ce que tu as prévu que je fasse. Dans le nom de Jésus, je confesse que moi, ma vie, ma maison serviront le Seigneur. Serviront le Seigneur. Toute ma vie est pour toi, papa. Qu'elle te serve. Que mon foyer te serve. Que mes enfants te servent. Que mes activités te servent. En toutes choses, sois honoré par ma vie. Par ma vie. Je me dédie à toi. Je me dédie à toi. Jésus, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Pour que ton règne vienne. Pour que ta parole soit prêchée. Pour que les vies soient sauvées, pour que les captifs soient délivrés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis un serviteur de Dieu. C'est quel nom tu as dit, servante? Je suis un serviteur de Dieu. Je suis au service de mon roi. Je suis au service de mon Dieu. Confesse-le, déclare, confesse. Je suis au service de Dieu. Je te sers. Moi et ma maison, nous te servirons. Mes biens te serviront. Ce que tu mets dans ma main est ton service. Ce corps va te servir. Ses yeux vont te servir. Ses oreilles vont te servir. Mon temps sera à ton service. Je le déclare, je le confesse dans le nom de Jésus. Rebraya katarababrada sorobaralabe. Rababrada sorobarala glorianda brada so. Shabrada brada 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 sorobaralabe. Brenda brada sorobarala karabarala brabarala sorobaralage. Shabraya katarababrada sorobaralabra. Rebrada brada 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 soro bara la ba. Jere braya kata la brada soro bara la kete. Shabraya kata la brada soro bara la gloria na bra. Rebraya kata la brada soro bara la kete. Raba brada soro bara la gloria na brada soro bara la be. Re da brada soro bara la gloria na brada soro bara la ba. Re da brada soro bara la kanda la babu. Soro brada soro bara la gloria na brada sere bara la ka. Reda brada soro bara la claria na brada soro bara la bra. Shabra katala brada sere bara la bro. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Mais chacun d'entre vous est établi quelque part. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel. Voilà ce que Dieu dit. Quand vous êtes autorisé, quand vous avez l'autorité, Dieu dit ceci à Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Jérémie 1, 10. Je t'établis sur les nations. Voilà ce que vous avez le pouvoir. Il dit, quand, parce que tu es établi sur les nations, tu pourras arracher, tu pourras détruire, tu pourras bâtir. Quand tu es établi sur ton foyer, ce que Satan sème là-bas, là, tu peux arracher, tu peux détruire, tu peux bâtir. Tu ne peux pas le faire dans la maison du voisin, mais tu peux le faire dans ta maison parce que tu as autorité dans ta maison.
Amen. Alors, parmi vous ici, il y a certains qui sont établis dans le domaine de la couture, dans le domaine de l'économie. Je prophétise sur vous. Je viens, mets la main sur la tête. Je prophétise. Écoutez, David avait été établi prophète. Il avait été établi roi. C'est la raison pour laquelle il avait une onction qui était capable de terrasser Goliath et de défendre l'empire d'Israël. Toi aussi. Oh, papa, c'est toi qui as choisi tes enfants. Je prophétise. Je déclare que le domaine pour lequel tu es né, le domaine que tu, pour lequel Dieu t'a choisi avant que tu ne naisses, soit établi en autorité sur ce domaine. Soit établi en autorité sur ce domaine. Soit établi en autorité dans ce domaine. Si c'est le domaine politique, c'est le domaine social, c'est le domaine spirituel, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu te recouvre. La force de Dieu est en toi. Reçois cette autorité. Ton Dieu t'établit. Ton Dieu t'établit. Sur la maison qu'il t'a confiée, sur les entreprises qu'il t'a confiées, sur les activités qu'il t'a confiées, sur le foyer qu'il t'a confié, sur les enfants qu'il t'a confiés. Tu as établi, ton Dieu t'établit, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu plantes et que tu bâtisses. Tout ce qui est injuste, négatif, qui va arriver à ton foyer, à ta maison, à ta famille, à tes entreprises, à tout ce que Dieu t'a donné, reçois l'autorité pour les chasser de ta maison. Reçois l'autorité pour donner instruction. Reçois l'autorité pour donner des ordres. Reçois l'autorité divine. Ton Dieu t'établit. Rebrakatarababrada sorobaralaka. Shakatariandabrada sorobaralake. Shobrakatarababrada sarabaralabe. Ruma Catalina Brada Cerebaralaba Rebra Catarabra Brada Sorobara la Corobara la Se Chirianda Brada Sorobara la Candalaba Bra Ribra Catarabra Brada Sorobara la Ke Shabraya Catarabra Brada Sorobara la Bra Rianda Brada Sorobara la Catalaba Bro Robra Catariba Brada Sorobara la Ba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, le temps est arrivé pour plusieurs parmi nous de commencer à influencer. Dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine de l'agriculture. La puissance de l'autorité vient sur toi maintenant. Tu es établi sur le domaine, dans le domaine informatique. Dans un domaine donné, Dieu t'établit. Dieu t'établit. Ce soir, pendant que je confesse, la puissance de Dieu vient t'élever et t'établir sur ce domaine. Cette conviction est claire dans ton esprit. Cette conviction est claire dans ton esprit. Et tu vas continuer à la confesser, à le déclarer jusqu'à voir la réalisation de ces choses. Jusqu'à voir la réalisation de ces choses. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Ton Dieu te montre ce sur quoi il t'est établi. Ton Dieu te révèle ce sur quoi il t'est établi. Je suis convaincu qu'il t'est établi parce que la Bible dit, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Chacun d'entre vous règne. Tu dois régner sur un domaine. Tu dois régner sur un territoire donné. Et je prie afin que le domaine pour lequel Dieu t'appelle soit révélé maintenant à ton esprit clairement dans le puissant et précieux nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors ça c'était l'autorité. On va prier maintenant par rapport à la puissance. Alléluia. Tu es dans cette dimension au nom de Jésus. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez faire de toutes les nations des disciples. Je vous envoie. Tel que Jésus-Christ m'a envoyé, je t'envoie. Sois une personne influente dans tes domaines. Sois une personne influente. Proclame l'évangile de Christ dans tes domaines. Sois excellent dans ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Que dans toutes vos activités, vous soyez à la tête et non à la queue. Je t'envoie afin que tu sois élevé. Que les hommes voient les bonnes œuvres que tu fais et qu'ils craignent et respectent Dieu. Je t'envoie. Deviens, rentre dans la dimension de ton appel. Je t'envoie. Si tu étais distrait, prends le chemin de ta destinée au nom puissant de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, toute oppression, toute possession est brisée dans le nom de Jésus. Père céleste, nos pensées, tu les as données pour nous. Mets la main sur la tête et lève l'autre main. Je déclare dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui sont victimes d'obsession, qui sont victimes d'oppression, qui sont victimes de pensées harcelantes, de harcèlement des démons. Esprit impur, écoute-moi bien. Je viens contre toi dans le nom de Jésus et je t'ordonne maintenant dans le nom de Jésus de libérer la pensée, de libérer l'esprit, de libérer les émotions de cet homme et de cette femme au nom de Jésus. Démon, au son de ma voix, tu pars maintenant.
J'ordonne à ces voix que tu entends dans ton esprit. J'ordonne à ces voix que tu entends. J'ordonne à ces pensées qui t'oppriment et qui t'oppressent. J'entends les voix de découragement, les voix d'abattement, les voix de relâchement. Je viens contre vous dans le nom de Jésus. Libère la pensée de cet homme, libère la pensée de cette femme. Maintenant, 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 maintenant. Je me dresse contre toute possession, possession partielle ou possession totale. Je lève ma main par rapport à tous ceux qui sont quelque part, qui souffrent de la folie, possédé par des démons. Je viens dans le nom puissant de Jésus et je dis à démons, ça s'arrête maintenant ton pouvoir. Je réduis tes œuvres à néant et je t'ordonne au nom de Jésus, pars maintenant au nom de Jésus. Pars maintenant au nom de Jésus. Je viens de donner l'ordre. Aucun démon ne peut résister maintenant. L'ordre que j'ai donné est en train de prendre l'atmosphère. Les maladies, les oppressions, les possessions sont en train de partir. Partir, 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 partir. Je vois des gens, tu as comme la jambe droite possédée ou obsédée. Chaque fois, il y a une maladie qui revient à ta jambe. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. À l'instant, cet esprit, on l'appelle, c'est un esprit mystère. Il est en train de quitter maintenant ta jambe dans le nom de Jésus-Christ. Les AVC reviennent constamment. Je déclare dans le puissant et précieux nom de Jésus, là où l'AVC est dans ton corps, la main puissante de Dieu arrive vers toi là-bas. Esprit démoniaque, je te condamne dans le nom de Jésus de t'en aller maintenant, maintenant, maintenant. L'équipe de délivrance, vous allez m'amener quelques cas qui vont venir vous les amener. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alors, tout ce qui est possession d'un de vos organes, par exemple ton bras, ton pied, ton cœur, tes yeux. Par exemple, tu sais, il y a des esprits qui possèdent, ils prennent tes yeux, ils deviennent possesseurs de tes yeux. Ils ne sont pas autorisés, c'est du vol. Ils deviennent possesseurs, donc ils rendent tes yeux malades, ils rendent tes yeux aveugles. Pendant que je parle, le feu de Dieu arrive là-bas pour le localiser. Démon, tu es totalement illégal. Sors des yeux de cet homme et de cette femme, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Aucun démon ne résiste, aucun démon ne résiste. Il y a un qui est assis là-bas dans ton ventre, pour t'empêcher de procréer, pour t'empêcher d'enfanter. Il ne peut pas rester. Je t'ordonne, démon, je t'ordonne, esprit impur, de libérer le ventre de cette femme, de libérer le ventre de cet homme, de libérer ses entrailles. Maintenant, 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 mari de nuit, violeur de nuit, violeur de la nuit, va-t'en. Va-t'en maintenant. Amenez-les vers moi, amenez-les vers ici. Va-t'en maintenant, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rebraya brazo turuma kata lababra, sabra kata rababra da sorubara la glorianda brada serimara la conta, ashibere katurumara la sorubara la ka, prede brada sorubara la ka, c'est terminé, vous êtes libre au nom de Jésus. Démon, vous ne pouvez pas rester dans la vie des enfants de Dieu, je vous condamne dans le nom de Jésus, de vous en aller maintenant au nom de Jésus. Chere brada kota rababra da sorubara la glorianda brada sokatara. Et les maroupa katali bebre de sorobara la katara bradasu. Che katari anda bradasu romara la conta la babra. Chorobara la zonta la babra. J'ai une vision d'une colonne vertébrale. Tu as des douleurs terribles au niveau du dos. Tu as des nouvelles terribles au niveau du dos. Mystiquement, on t'a jeté une flèche dans la colonne vertébrale et dans le dos. Et cette flèche-là, je viens par l'Esprit du Seigneur l'arracher maintenant de ton dos. L'arracher de ton dos. Cette douleur étrange, les médecins n'arrivent pas à voir de quoi tu souffres. Tu as fait toutes sortes d'analyses, mais le mal est comme planté dans ton dos. Le bras puissant de Dieu, la main de Dieu, cette flèche est enlevée. On l'enlève. C'est à cause de ta prière même que tu étais gardé. Sinon, normalement, tu aurais dû être paralysé. Mais aujourd'hui, c'est juste la douleur qui est restée. Mais Jésus l'arrache de ton dos. Maintenant, 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 maintenant. Mettez-lui la main sur le dos en l'amenant. Juste au milieu, c'est là-bas où on lui a envoyé la flèche. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré du filet de l'oiseleur, dis Amen. Tu es délivré des pensées obsessionnelles. Tu es délivré de l'oppression de tes pensées. Tu portes sur ta tête le casque du salut. Aucune voix de l'ennemi n'arrive à percer tes pensées. Tu as l'autorité sur tes pensées. Tu as l'autorité sur ton corps. Je chasse et tu chasses dans le nom de Jésus
tout esprit dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, maintenant toi-même, tu vas, comme tu as l'autorité, tu vas élever la voix, tu vas prendre l'autorité et puis dire à ces esprits de maladie, tu vas dire à cette maladie, dégage. Tu vas dire à ce démon, dégage. Tu vas dire à cet esprit, dégage, dégage. C'est fini ma fille, tu es délivrée dans le nom de Jésus. Esprit impur, tu n'as plus d'emprise sur elle. Elle est libre de ton influence à l'instant même. Au nom de Jésus, tes œuvres cessent en elle. Maintenant au nom de Jésus. 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 Maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Esprit de mort et de suicide, de découragement. Tu t'éloignes de sa vie pour toujours au nom de Jésus. Tu t'éloignes maintenant au nom de Jésus. Tu t'éloignes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu quittes sa vie maintenant au nom de Jésus. Lâche-la pour toujours. Tu quittes sa vie maintenant dans le puissant et précieux nom de Jésus. Tes œuvres cessent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brie brasloke. Arraba brada soro bara la gloria en abras. Prenda brada soro bara la ki. Prai de siri bara la gloria en abrada son dolor. Recatari en abrada soro bara la bra. Raba brada soro bara la gloria en abra. Prie de brada soro bara la gloria en abrus. Shabra katar raba brada si. Prenda brada soro bara la gloria en abra. Prenda brada soro bara la gloria en abra. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Tu es libre. Dans le nom de Jésus, esprit de démence, esprit de folie vacant, et ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la. Si, si, tu t'en vas, 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 tu t'en vas. Quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Quitte son corps maintenant au nom de Jésus. Quitte-la, lâche-la, lâche. Pas d'elle. C'est terminé, tu n'as plus de pouvoir dans sa vie. Nous détruisons, je détruis tes œufs. Je détruis ton pouvoir, là c'est pas. Maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Reda brada la ria, da brada soro bara la re. Roda brada soro bara la kanda. Libéré, ma future vie, je dis. Dans le nom de Jésus, lâche, lâche prise, 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 lâche prise. Tes œufs sont détruits, tes œufs sont anéantis. Je brise ton pouvoir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, lâche-la. Lâche. Dans le nom de Jésus, quitte cette femme. Lâche-la, esprit de dépression, esprit de folie. Tu quittes sa vie maintenant, tu n'as plus dans plus d'elle. Je détruis tes attaches, je détruis ton pouvoir. Libère-la maintenant dans le nom de Jésus. Va-t'en et ne reviens plus. Je te commande dans le nom de Jésus, éloigne-toi d'elle et ne reviens plus maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte sa vie, quitte ses pensées, lâche son cœur, lâche ses pensées. Je te commande dans le nom de Jésus, tu t'éloignes. Le feu de Dieu te consume et tes œuvres sont brisées, 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 brisées. Au nom de Jésus, tu t'éloignes d'elle maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, lâche-la. Je détruis, tu quittes son dos, tu quittes son dos maintenant. La flèche est arrachée et ton dos, ton corps entier est rétabli au nom puissant de Jésus-Christ. Rekatarianda brada sota, araba brada soro bara la kenta, ashakatarianda brada sota, urumara katariba brada sita, arakatarianda brada sota, preya srabrianda brada neta, sokataraba brada soro bara la ka. Tes œuvres dans sa vie s'arrêtent. Arrête, quitte sa peau, quitte son corps, quitte son corps. Lâche-la, lâche! Lâche prise dans le nom de Jésus. Lâche prise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Toute oppression de tes pensées s'arrête. Toute attaque de tes pensées s'arrête. Tu t'arrêtes maintenant. Quitte sa pensée. Quitte sa pensée. Quitte sa pensée. Esprit de folie, esprit d'oppression. Je te condamne dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi de ses pensées maintenant. 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 Lâche-la. Lâche sa pensée, lâche sa pensée, lâche sa pensée, lâche ses pensées, lâche ses pensées, lâche ses pensées, lâche ses pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Rebra katara babrada soro bara la renda, azama katayonda la baba.
tu es libre, femme, tu es libre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare ta libération, je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Quitte sa vie, ne revient plus. Quitte sa vie, ne revient plus. Quitte sa vie, ne revient plus. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, brise ton emprise sur elle. Lâche. Lâche-la maintenant. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Tu es libéré de toute oppression maléfique. Éloigne-toi d'elle, Satan. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie. Touche-la. Quitte son ventre. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Garde la deux mains levées. Je déclare ta délivrance totale au nom de Jésus. Que toute oppression, toute obsession, toute possession s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton Dieu t'a confié ton corps, ton âme et ton esprit. Ils ne peuvent être contrôlés par aucune autre entité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même quand le Saint-Esprit même vient en nous, il agit en nous avec notre autorisation. Le Saint-Esprit respecte la parole de Dieu. Dieu t'a créé un corps et Dieu t'a rendu propriétaire. Ce sont seuls les démons qui viennent et qui veulent te faire perdre le contrôle. Mais le Saint-Esprit compose avec ta volonté. Le Saint-Esprit règne en toi. Il s'installe en toi. Aucun démon ne peut rester. Aucun esprit ne peut rester. Ton environnement spirituel est sanctifié, purifié. Tu n'entends plus des voix étranges. Tu n'entends plus des voix démoniaques. Tes pensées sont les pensées de Christ. Tu es rempli de pensées de Christ. Tu es rempli des pensées de Dieu. Tu es rempli de la volonté de Dieu. Que Dieu te remplisse de ses pensées. Que Dieu te remplisse de sa volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Plus il te donne un grand rôle, plus il te donne la puissance. Pendant que je suis en train de parler, la puissance, est-ce que vous savez que je suis en train de vous communiquer la puissance comme ça? Il y a une puissance qui est en toi, ma fille. Là, l'onction est sur toi. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, a dit le Christ. Tiens-toi debout, reçois de la puissance. Reçois la puissance. Laisse la puissance venir t'électriser. Laisse la puissance venir te remplir. Laisse la puissance te remplir. Laisse la puissance te remplir. Tu parleras avec autorité et avec puissance. Laisse-la t'inonder. Laisse-la te remplir. Garde les mains levées. Reçois de la puissance pour opérer dans ton domaine. Reçois la puissance de Dieu. La puissance entre en toi. Et je vois, certains reçoivent la puissance de guérison. Il y a plusieurs formes de puissance. Il y a des gens qui ont la puissance de consolation, la puissance de guérison, la puissance de conviction de péché. Par le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, les cœurs changent. L'onction de la puissance vient sur toi. La puissance vient sur toi. Sois revêtu de puissance. 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 Sois revêtu. Soyez revêtu. Reçois une puissance prophétique. Reçois une puissance de guérison. Reçois une puissance de restauration. Tu reçois une puissance et tu deviens son témoin. Tu reçois une puissance et tu deviens son témoin. Tu reçois la puissance et tu deviens son témoin. Tu reçois la puissance et tu deviens restaurateur de brèches. Tu reçois la puissance et tu opères dans le surnaturel. Tu reçois la puissance et tu guéris les malades. Tu reçois la puissance et tu parles de la part de Dieu. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu t'inonde. La puissance de Dieu te remplit. Reçois, reçois. Ta bouche est inondée, tes mains sont inondées. Pendant que tes mains, tu es recouvert d'une puissance. Tu es recouvert d'une puissance. Tes paroles ne seront pas simples. Tes confessions ne sont pas simples ce soir. Tes confessions ne sont pas simples pendant la nuit. Tes confessions ne sont pas simples. Tu reçois la puissance pour arracher tout ce qui doit être arraché dans ta maison. Tu reçois la puissance pour proclamer tout ce qui doit être proclamé. Prends-la, 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 prends-la. Ronda Sorobaralaka. Tu reçois la puissance, reçois de la puissance. Reçois de la puissance, reçois la puissance. Fils, reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois de la puissance. Reçois-la, reçois mon fils, reçois. Reçois la puissance. Femme, reçois la puissance. Recevez de la puissance, recevez de la puissance. Je déclare que tu opères dans le surnaturel. Je déclare que tu opères dans le surnaturel. Le Dieu des esprits des prophètes te parle. Ton onction prophétique prend une autre dimension.
Chacun d'entre vous a une onction prophétique. Ton onction prophétique prend une dimension. Cette nuit, Dieu te donne des orientations par des songes, par des visions. Il te dit où tu t'en vas. Il te montre où tu t'en vas. La puissance de Dieu vient dans ta vie. La puissance de Dieu vient arracher ce qui doit être arraché. La puissance de Dieu t'oriente. La puissance de Dieu est libérée en toi. Soyez investis de puissance. Soyez loin de puissance. Opérez dans le surnaturel. Tu opères dans le surnaturel de Dieu. Tu sais que tu es puissant. Ton Dieu te rend puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Père ordonne que tu sois puissant. Ton Père ordonne que tu sois puissant. Sur sa parole, j'appelle la puissance dans ta vie. Il ordonne que tu sois puissant. 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 C'est son ordre. Tu opères dans de la puissance. Rebra ebra ya brodus larima katoru bara lari tabrada siri bara laka. Sois puissant, sois puissant. Sois puissant, sois puissant, sois puissant. Sois puissant, sois puissant, sois puissant. 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 Je t'ordonne, sois puissant. Au nom de Jésus, j'ordonne la puissance en toi. Sois puissant, sois puissant. Je l'ordonne, je te l'ordonne. Sois puissant. Je l'ordonne. Sois puissant, mon Dieu. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Prends ta puissance. Prends la puissance. Fils, prends la puissance. Opère dans la puissance. Sois puissant. Sois puissant, ma fille. Sois puissant, Père. Sois puissant. Sois puissant, fils. Sois puissant. Sois puissant. Tu n'es pas simple. Reçois la puissance. Tu n'es pas simple. Reçois la puissance. Tu ne fonctionnes pas simplement. La puissance est sur toi. Maintenant, tu passes à une autre dimension. Est-ce que tu sais que tu es puissant? Est-ce que tu sais que tu prends de la puissance? Prends la puissance. Ma fille, prends la puissance. Prends la puissance, prends la puissance. Reçois, sois loin de puissance. Opère dans la puissance. Opère dans la puissance. Puis opère dans la puissance, opère dans la puissance, opère dans la puissance. Opérez dans la puissance, opérez. Opère dans la puissance, opère dans la puissance. Opère dans la puissance, opère dans la puissance, opère dans la puissance. Opère dans la puissance, opère dans la puissance, opère dans la puissance. Puis opère dans la puissance. Opère dans la puissance, opère dans la puissance. Opère dans la puissance, opère dans la puissance. 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 Opère dans la puissance, ma fille. Opère dans la puissance. 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 Opère avec plus de puissance. Opère dans la puissance, fils. Opère dans la puissance. Opère dans la puissance, ma fille. Opère dans la puissance. Opère avec plus de puissance. Plus de puissance. Plus de puissance. Opère avec la puissance. Opère avec la puissance. Opère avec la puissance. Opère avec la puissance, fils. Opère avec la puissance. Opère avec la puissance. Marche dans la puissance. Marche avec plus de puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Plus de puissance. Opère dans la puissance. Opère dans la puissance. Opère. Tu opères dans une nouvelle dimension de puissance. Papi, prends la puissance. Prends la puissance. Reçois la puissance. Opère dans la puissance. Opère dans la puissance. Opérez dans la puissance. Opérez dans la puissance pour la gloire de Christ. Pour la gloire de Jésus. Pour être témoin de Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu reçois une puissance et tu es son témoin. Tu reçois une puissance et tu parles de sa part. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reçois la puissance, reçois la puissance. Esprit de Dieu. Prends la puissance, ma fille. Reçois la puissance. Prends de la puissance. Prends l'onction de puissance. La puissance, la puissance, la puissance. La puissance au nom de Jésus. La puissance au nom de Jésus. La puissance, 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 la puissance. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta puissance. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Dis avec moi, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Pour l'autorité. Pour l'autorité. Et la puissance. Et la puissance. Je parle avec autorité, et puissance, puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.